Poutine qui rentrait alors chez elle, descend du tram à la rue Poincharin. Elle sent qu'elle est suivie par ces jeunes filles. Celle-ci l'arrête pour lui demander leur chemin. Il y a deux objectifs qui se rejoignent dans cet exercice qui a deux intérêts. D'abord, mettre les étudiants en situation et les projeter vers ce que sera leur avenir professionnel. Et puis, en même temps, il y a un intérêt pédagogique qui est de leur permettre, sur un cas concret, sur un dossier qui a déjà été jugé par le tribunal correctionnel d'Angers, de mettre en œuvre les connaissances qu'ils ont acquises jusqu'en Master 2. Et puis que nous approfondissons avec eux dans le cadre des enseignements de procédure pénale. On est dans la salle de la cour d'assises à Angers, la cour d'appel, partenaire de l'événement, et nous accueille dans des conditions réelles de procès. C'est ça qui est intéressant, c'est que nos étudiants sont habillés de robes de magistrats ou d'avocats et occupent pleinement les fonctions des uns et des autres. Ce qui fait qu'on est véritablement dans une simulation d'un vrai procès, même si, évidemment, même les prévenus sont des acteurs. Je n'ai vu que des pièces. Très bien. Et que pensez-vous aujourd'hui de ce que vous avez fait pour vous établir sur vous ? J'ai évidemment des remords et des doutes envers les victimes. Chaque année, la préparation est à peu près la même. Les étudiants choisissent leur rôle. Parfois, ils le choisissent d'ailleurs en fonction de leur projet professionnel. Les gens qui veulent devenir magistrats, se tourne naturellement vers les fonctions de présidence de l'audience ou vers les fonctions du ministère public. Les prestations sont préparées individuellement et collectivement. On partage par équipe un projet, qu'est-ce que l'on va soutenir, qu'est-ce que l'on va expliquer. Et puis ensuite, les rôles sont répartis et chacun remplit une mission particulière. On arrive, là encore, c'est un petit peu du management de projet, à mêler la démarche collective, la démarche individuelle, et ça fonctionne vraiment.